petite maman Julie. Donc aujourd'hui, je vous montre trois recettes de mon fameux griot overnight, un petit déjeuner que je me fais depuis de 1 an, régulièrement, à toutes les semaines. Vous allez voir, c'est trois recettes vraiment simples et rapides à faire que vous pouvez faire le dimanche et l'avoir pour le reste de la semaine. Ça se garde à peu près un 4-5 jours là, au frigidaire. Tout dépendant aussi des fruits que vous allez utiliser dans votre recette. Donc, si vous suivez le 21 Day Fix, vous allez voir, je vais vous donner les quantités des petits plats qui sont utilisés. Sinon, c'est pas grave parce que je vous donne les quantités exactes à utiliser pour chaque recette. Vous allez voir aussi, c'est des petits déjeuners qui sont équilibrés, protéinés et qui soutiennent une bonne partie de l'avant-midi. Donc, sur ce, je vous laisse regarder la suite. Par contre, avant de commencer, avis aux dents sucrées. Si vous aimez ça vraiment sucré, je vous invite peut-être à augmenter la quantité de miel ou de sirop d'érable dans vos recettes, peut-être jusqu'à une cuillère à soupe au lieu de une cuillère à thé. Cependant, si vous aimez le goût sucré naturel des fruits, vous allez aimer ça, ça va être juste assez pour vous. Pour la première recette, le gruau overnight qui est un classique aux fruits, en fait qui veut dire que vous pouvez changer les fruits comme vous voulez, mais en utilisant toujours la même base. Donc, vous aurez besoin d'un quart de tasse d'avoine, une cuillère à soupe de lin ou de chia, trois quarts de tasse de yogourt nature, yogourt grec ou encore du yogourt nature 2%. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère à thé de vanille, une cuillère à thé de miel ou de sirop d'érable. Puis ensuite, vous aurez besoin d'une tasse de fruits. Donc, pour ma part, j'ai pris une demi-tasse de bleuets congelés et j'ai aussi ajouté une demi-tasse de compote de pommes et de bleuets. Pour la deuxième recette, il s'agit d'un gruau overnight choco-banane et beurre de peanut. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin d'un quart de tasse d'avoine, une cuillère à soupe de crème de lin ou de chia, trois quarts de tasse de yogourt nature, vous aurez besoin d'une cuillère à thé de vanille, une cuillère à thé de miel ou de sirop d'érable, une cuillère à soupe de cacao, une petite banane écrasée et une cuillère à soupe de beurre de peanut. Recette, il s'agit d'un gruau overnight tropical. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin d'un quart de tasse d'avoine, une cuillère à soupe de crème de lin ou de chia, trois quarts de tasse de yogourt nature, une cuillère à thé de vanille, une cuillère à thé de miel, une tasse de fruits mélangés, soit des ananas, des bananes et des mangues, puis une cuillère à soupe de noix de coco. Aussi, si vous le désirez ajouter un peu plus de saveur de noix de coco, je vous invite à rajouter 2 cuillères à soupe de lait de coconut. Donc voilà ce qui conclut mes 3 recettes de griot overnight. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Aussi, inscrivez-vous à ma chaîne pour d'autres recettes à venir. Vous allez retrouver chaque recette dans la barre d'infos avec toutes les informations là, quant au contenant de 21 Day Fix. Puis sur ce, je vous dis à une prochaine et merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Bye!